Nous avons réalisé une transplantation rénale célioscopique robot-assistée. La transplantation, classiquement, dans le cadre du don vivant apparenté, quelqu'un qui donne un rein pour être greffé. Nous avons une chirurgie qui se fait par voie ouverte, où on va se brancher sur les vaisseaux qui vont vers les jambes. Là, nous avons fait des petits orifices, on a gonflé avec du gaz, et on a branché là-dessus un robot, un télémanipulateur, qui nous permet d'aller par l'intérieur, avec une petite cicatrice seulement qui fera rentrer le rein, voire au contact des vaisseaux pour avoir une suture qui est facilitée, même dans les conditions difficiles. Pour prélever un rein, il faut avoir une anatomie adaptée. Ce donneur, on ne pouvait pas prélever son rein gauche, et le rein droit avait des vaisseaux extrêmement courts, qui auraient rendu une chirurgie ouverte, classique, extrêmement difficile. Le robot m'a permis, en étant au contact de la couture, de voir parfaitement cette suture qui s'est faite de manière vraiment très simple. Le plus gros bénéfice, hormis ces cas exceptionnels, est clairement dans les contextes de patients en surpoids morbide, car les cicatrices plus petites permettent de limiter énormément les complications liées à la paroi, et des patients qui sont en énorme surpoids peuvent malheureusement être bloqués dans leur accès à la transplantation, et ont parfois des chirurgies qui réduisent la taille de l'estomac, des choses qui sont tout de même très mutilantes, pour leur permettre une transplantation, et nous pourrions accéder à cette transplantation du coup plus rapidement sans ces chirurgies. Donc évidemment, c'est le projet d'une équipe. Il y a le service d'urologie dans son ensemble qui est mobilisé, avec mon collègue à qui je coordonne la transplantation. Il y a le service de néphrologie qui s'occupe de la gestion du dossier en amont, d'anesthésie évidemment, les IBOD, les penseurs, et l'assistance du service partenaire de Toulouse pour la transplantation avec le docteur Doumer. Depuis 1959, 90 000 transplantations à peu près en France, une cinquantaine réalisées seulement au robot. Donc ça reste vraiment quelque chose de très spécifique, et on voit les énormes bénéfices qu'on a pu avoir dans la chirurgie cancéreuse, et on aimerait bien essayer d'en avoir une partie transposée à la chirurgie de la transplantation.